تعرفوا انه كونك محمد انترت انك ساكن بمارسيليا، فهي حابه تعرف انه وينكم انتوا، يعني وين كل واحد بيكون ساكن وين اشتغلتوا. لا كل حدا تقريبا عايش محل مختلف. Tout un chacun, ils sont tous dans des pays différents. Par exemple, Omar, lui, il vit à Damas. لا تماما يعني أنا محمد ومؤيد عايشين بالشام يعني أول تأينا بالشام على بداية المشروع. Donc Mohamed, Mouayad, les acteurs et Omar, ils vivent à Damas. Fatina et Mohamed عايشين بألمانيا. Fatina et Mohamed vivent à Berlin en Allemagne. Mohamed Al-Attar كمان بألمانيا و Mohamed Arashi في فرنسا في مارسيليا. Mohamed Arashi est à Marseille et Nanda est on est au Caire en Égypte. Nanda عايشة بالقاهرة. OK نعم. و أمل عايشة ب إسطنبول. Et Amal, qui n'est pas là, Amal Amran, elle vit à Istanbul. Et Bissan Sharif, la scénographe, elle est à Paris. Et Hassan, le créateur lumière, elle est en Hollande. عظيم. نحن بنعرف بعضنا من زمان كتير كلنا. والموسيقي عايش بأمريكا. Et le créateur de musique est venu aux États-Unis. Créateur vidéo, il vit à Damas. Et que tant tout le monde. On se connaissait tous d'une manière ou de l'autre depuis un moment, depuis longtemps, quand on était en Syrie. Une partie, on travaille de temps en temps ensemble, et puis il y a un noyau qui travaille avec nous, donc c'est Omar, le metteur en scène, Mohamed, l'auteur, Nanda Mohamed et Bissan, la scénographe. En fait, rassembler tout le monde pour pouvoir travailler ensemble, c'était une affaire très très difficile. أولاً نحن مضطرين نوفر وقت كلياتنا بنفس الموعد كلياتنا لحتى نكون بهي البروفا. Donc il fallait trouver la disponibilité de nous tous pour travailler sur ce temps-là en même temps dans ce endroit. مضطرين ننتقل من بيوتنا وفي أشخاص مثلاً مثل فاتنا أو بيسان عندهم أطفال صغار فكمان يعني العملية أصعب وأصعب بكثير. Donc ça, il y avait des voyages, des déplacements, et puis il y a, comme Fatina et Bissan qui ont des enfants de en bas âge. بنضاف لكل هذا بقى بالنسبة للأشخاص المقيمين ببرات أوروبا صعوبات الحصول على الفيزا والدخول. S'ajoute à tout ça tous ceux qui sont dehors de l'Union européenne, toutes les démarches de papier, de visa. يعني بكل هالتجميع العرض صدقان يعني لمرات طويلة وأنا عم فكر فيه ما كنت متخيل إنه يصير. Et très sincèrement, ce spectacle à plusieurs prises, j'imaginais, enfin, je pensais que ce sera pas, on n'y arrivera pas, ce sera pas réalisable. بس بسبب أولاً إنه الناس اللي موجودين هذا الفريق بذل جهد كبير. Mais grâce à tous les efforts que toute l'équipe a pu consentir pour être ensemble. Et en même temps, on a eu des vrais partenaires solides qui nous ont bien soutenus, donc partenaires et coproducteurs. Et donc, nous sommes devant vous sur cette estrade, ce plateau. Alors on va recueillir Alors je vous remercie.
Oui, moi, la traduction, je n'ai eu aucun problème parce que j'ai trouvé que les surtitres étaient très bien, très nets par rapport à d'autres spectacles où on souffre beaucoup du fait que c'est ou très rapide ou flou, mais là, c'était vraiment bon. C'est mon point de vue de spectatrice, bien évidemment. Et deuxièmement, oui, moi, je me pose une question. La fin. Moi, je vois dans... Je vois une note d'espoir. Je vois un espoir dans votre travail. Dans pardon, madame. C'est bien. Je vais rester à l'espoir. Après, je prends. Alors, il n'espère qu'à être jamais. Ma zarjeta abadan black. C'est normal. Et de nos surtitres, je tire moi fa. La nohan amtla et le horaire de l'Europe qu'on y a salé actuel. Il y a voté. Il y a peut-être pas ouah. Il y a quelque chose. شيء ثاني اللي بلشت تحكي عنه انه حكايه انه هي انه شافت بهذا العرض نوع من الامل دونك اسبوار Voilà, donc moi j'ai vu, c'est une respiration, d'espoir, la vie continue, il faut, non pas faire avec, mais il faut continuer à vivre, c'est ce que j'ai ressenti par votre jeu, par voilà. Je ne sais pas, je me trompe, peut-être. Madame, tenez-moi 3 minutes. هي اللي شافته شافت انه لمعه امل بهذا العرض، شافت انه فكرته انه شو من التنفس شيء يعملوا انه الحياه تستمر بالرغم انه اللي عم يصير انه هي الحياه عم تستمر. وقالت انه يمكن انا اكون مخطئه. Alors, avant... Non, vous avez pas tort. Ah, mais tant mieux. Avant de vous redonner la parole, est-ce que cette image de fin avait déjà été évoquée précédemment? Est-ce que... Il y a d'autres choses à propos de cette image, madame. Je ne sais pas si c'est optimiste, mais moi je dirais que j'ai l'impression que les personnages se réconciliaient un petit peu avec eux-mêmes. D'avoir parlé. Je ne sais pas si c'est normal de faire ou pas, mais je veux dire que les personnages sont متصالحه ou تصالحت مع نفسها. De ce point de vue, peut-être qu'on peut parler d'espoir, mais d'avoir parlé d'un certain nombre de secrets, d'avoir levé un certain nombre de voiles, ils se réconcilient certains les uns avec les autres, mais beaucoup avec eux-mêmes. Moi, c'est surtout ça que j'ai ressenti. إذن هي إذا بدك تحكي هلا عن التفاؤل عن الأمل هو من حكاية إنه صار في تصالح أول شيء في تصالح الشخصيات مع نفسها حكاية هالمكاشفة وحكاية الأسرار كلها اللي طلعت يمكن من هذا الشيء وصل إلى تصالح بين الشخصيات وتصالح مع النفس اللي هو ممكن يكون إنه هاي بادرة الأمل ممكن تيجي من هذا الشيء. Je me permets juste une question pour plus tard si vous pouvez la garder dans un coin de votre tête. Est-ce que ce spectacle a été joué en Syrie et est-ce que ceux d'entre vous qui vivent à Damas travaillent aussi à Damas? Je vais la poser, je vais peut-être la poser directement. وهي كان في سؤال انه كان بدنا نخليه لبعد الدنيا هلا انه هل هذا العرض انعرض في سوريا وهل est-ce que le spectacle est joué en Syrie et est-ce que ah ou est-ce que des gens qui voilà est-ce que ceux qui sont en Syrie ils sont qui travaillent encore ils font du théâtre? Alors peut-être avant de répondre à cette question pardon. Alors peut-être avant de répondre à cette question, une dernière lecture de cette dernière image, de cette note finale. Bon, dans ce cas-là, je vais la parole. أنا رح جاوب عن شغلتين. أول شيء من آخر شيء رح بلش كرمال أكون متذكر منيح. أنا عايش بسوريا ولساتني عم بشتغل بسوريا. وتقريبا كان في عنا عطل بين البروفات أو بين العروض، فكنت عم بنزل على سوريا أكمل شغلي هنيك بمجال التصوير والفن. Je vais répondre sur deux points. Je vais commencer par la dernière pour pas oublier. Moi je vis en Syrie, je travaille en Syrie. Et même quand il y avait des relâches ou des moments on ne travaillait pas ici en France, je revenais en Syrie pour continuer, par exemple, mes tournages. وعشان سؤالك على انه انت كنت متخيله تجي تلاقي عقد فيه عنف او هيك، حقيقه انا ما بلومك. يعني مثال قبل 10 سنين تقريبا اذا انا بسوريا بسمع في عرض جاي من افغانستان فانا حتخيل انه حيكون عرض كثير عنيف. Et pour l'histoire que vous attendiez à avoir plus de violence, je vous comprends tout à fait parce que, par exemple, il y a 10 ans, on m'aurait dit qu'on va vous présenter en Syrie un spectacle venant d'Afghanistan. J'aurais tout à fait imaginé un spectacle plein de violence. Car les médias ils nous renvoient toujours des images ou
image qui est loin de la réalité et même parfois exagérée. فأنا فيني أتفهم ليش أنت بنيتي وجهة النظر هاي وفيني أتفهم كمان الناس شو ممكن هلا تكون أخذ فكرة عن سوريا من خلال الناس اللي قابلتهم هون وبغير فيسبوك. Donc je comprends tout à fait votre point de vue et je comprends tout à fait les gens aussi qui ont des images similaires de la Syrie de tout ce que j'ai pu entendre et rencontrer ici. C'est les médias qui renvoient ces images donc c'est tout à fait normal qu'il y ait ça. أنا بدي أحكي عن كمان شغلتين أول شيء الأمل اللي حست فيه المدام أكيد بالنهاية في أمل نحن بنحس كمان يعني non, je voudrais parler de pareil de plusieurs choses, notamment cette histoire d'espoir dont vous avez parlé. Oui, effectivement, il y a de l'espoir et c'est quelque chose que nous ressentons, les comédiens, enfin l'équipe ressent aussi à travers ce spectacle. Malgré toutes les difficultés que nous vivons et les difficultés qu'on a vécues depuis 5 années derrière nous, de toute façon, on voit bien qu'on n'a pas le choix que de continuer. Et la preuve, par exemple, ce spectacle qu'on arrive à réaliser. ماني متقبلة فكرة إني أنا طلعت من سوريا مع إني كنت فكرة لبعد لقبل يعني لقبل فترة منيحة إنه أنا خلص تقبلتها ومتعايشة معها وإنه مع إنه ما أنا بقراري الكامل بس إنه خلص أنا عندي حياة جديدة عم أشتغل وعايشة في مكان حاببته وأكيد بتمنى أروح بس كنت مفكرة إنه أنا خلص قدرت أتقبل تماما فكرة إنه أنا أخذت قرار إني أطلع. De jeu et la relation entre le personnage et les acteurs. Par exemple, pour moi, j'ai toujours pensé que j'ai quitté la Syrie depuis quelques années et avant de faire ce spectacle, je m'étais fait à l'idée que c'est une chose digérée, acceptée, et que voilà, c'est derrière moi. Mais avec ce travail, je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout le cas. هي أول مرة بتمنى أن يكون الشخصية يعني أنا صار لي 15 سنة بشتغل ولا مرة تمنيت أن يكون الشخصية اللي عم بعملها إلا هي المرة لأنه هي رجعت وقررت تكون. Ça fait 15 ans que je fais du théâtre et que c'est la première fois où j'espérais, je rêvais d'être le personnage parce qu'en fait le personnage a réalisé quelque chose que finalement au fond de moi auquel j'aspirais et à la fin elle revenait vivre en Syrie. ودائما بفكر إنه مع إني أنا لما نهرب كل يوم بفكر إنه ضل عم فكر بالسبب الحقيقي اللي خلاها تضل لأنه هو في كثير أسباب وكل مرة بتطلع معي شغلة جديدة وبقول إنه إنه كيف قدرت تضل مع إنه بالوعي يعني بالشيء الواعي أنا بعرف كيف وصلت لهذا القرار بس بضل هيك يفاجئني القرار كله. Et à chaque fois, je posais la question, même perpétuellement, de dire à chaque fois, je pose la question, mais qu'est-ce qu'elle lui a fait, qu'est-ce qui a fait qu'elle reste. La deuxième chose qui rend ce spectacle imprésentable en Syrie, c'est que la plupart des artistes ne vivent pas en Syrie et n'ont pas le droit de venir en Syrie. Ils ont tous, enfin la plus grande partie d'eux, ils ont des problèmes très concrets d'interdiction et de problèmes avec le régime, d'ordre sécuritaire. هلا هذا الجواب بس انا كمان بدي اعلق على قصه العنف لانه هي مهمه. Ça c'est la réponse sur cette question, mais je reviens sur cette histoire de violence parce que c'est une question importante. هلا بدون شك اللي عم بيصير بسوريا في كميه عنف حتى شوي خياليه. En effet, ce qui se passe en Syrie,
il y a quand même, ça enferme une quantité de violence inimaginable. يعني قد ما الميديا حاولت تورجي مثلا صور القصف هي شيء ثاني مختلف تماما عن انك تكون تحت القصف. Quoique les médias essayent de relayer l'image par exemple d'un bombardement, ça pourrait de toute façon jamais ressembler à un ressenti de quelqu'un qui est sous. يعني فعلا من خمس سنوات للآن كمية التدمير القتل المجازر اللي عم ترتكب بسوريا هي أكثر بكثير ما ممكن أي حدا فينا هلا موجودين يقدر حتى يحكي عنها. De toute façon, depuis 5 ans, la somme ou la quantité de morts, de bombardements, de massacres, d'exactions, ce qui arrive en Syrie, la violence que vit la Syrie, c'est quelque chose que ça dépasse tout entendement. بس نحن وقت بلشنا نبني العرض ما كنا كثير عم نفكر انه نورجي العنف اللي هو المباشر طبعا مثلا طيارات او القصف او الاعتقال ما حسينا انه هذا اولويتنا نحن كسوريين. Quand on a commencé à construire ce spectacle, on a choisi de pas travailler, de pas parler, de pas nous focaliser sur cette histoire de cette violence externe, la violence visible qui est soit l'acte de guerre. كان الأهم بالنسبة لنا إنه نفكك العنف بعلاقات السلطة اللي موجودة بين الأفراد اللي علاقات السلطة عندها طبيعة اجتماعية واقتصادية وسياسية ودينية. La chose qui me paraissait plus importante, c'était de déconstruire la relation, justement, de cette violence que le pouvoir exerce sur la société. Et c'est quelque chose qui peut être visible ou sensible dans les relations même sociales, d'ordre religieux, que ce soit entre les individus. C'est quelque chose qui est imprégné, c'est une violence qui imprègne toute la société et donc on a voulu travailler sur la déconstruction justement de cette violence. Et il me semble que c'est une chose qui était assez claire, que ce soit l'histoire ou le personnage principal. بس عن جد خلال رحلة البحث عن هذا العنف اللي موجود بعقول الشخصيات اللي معنا كانت المفاجأة هي إنه اللي عم يحرك كل هذا هي حاجة ماسة للحب. Mais et en fait à travers tout ce voyage à la recherche à la quête de ces raisons et de cette explication de cette violence on a toujours compris on a toujours vu que cette recherche cette violence est mue par un besoin d'amour. كل الشخصيات عم تدور على حب عند بعضها بالمعاني المتنوعة على كلمة حب. Tous les personnages ils étaient à la quête d'un amour soit entre elles avec plusieurs sens et plusieurs niveaux du mot amour. تكون شرسة جدا بهذا البحث. Et cette quête, c'est une quête qui était à chaque fois très, très violente, une quête virulente de l'amour. Et je pense que l'espoir qui a été évoqué, ou cette réconciliation, c'est quelque chose, c'est à chaque fois quand tu as un personnage arriver à toucher une part ou un tout d'un amour qui est enfoui quelque part en soi et au retour. Eh bien, notre temps ensemble s'achève, donc on va terminer sur ces questions-là liées à l'amour et à la possibilité de l'espoir. Merci à tous pour votre écoute.